Bonsoir, bonsoir, chers followers, militants et militantes du RHDP, ivoiriens et ivoiriennes. Appelez nos voisins révolutionnaires qui voulaient nous faire croire qu'ils étaient dans une révolution alors que nous étions en face de personnes ingrates qui ont voulu oublier leur propre histoire. Mais nous ne pouvons pas oublier. Je reviens encore parce que ce sujet-là, nous allons parler. Voilà. Nous allons parler parce que c'est important. Merci à toi, mon très cher frère Souley-Major. Partagez le direct et mettez les cœurs. Drissa Traoré, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct et surtout mettez assez de cœur pour protéger le direct et surtout la page. Salut à toi, mon très cher frère Omo Mahamadou Zongo depuis ta position. Valence Koné, alias Diomandé, Sinali Traoré. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct et surtout mettez assez de cœur. Chers frères et sœurs, on va revenir parce que je l'ai bel et bien dit au départ. Aujourd'hui, les Maliens doivent comprendre combien de fois la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Fofiolo, je salue à toi. Depuis près d'une semaine, en Côte d'Ivoire, il y a une artiste chanteuse malienne du nom de Biguini qui est en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut nous expliquer ou bien venir nous dire qu'elle n'a pas été traitée comme une sœur en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été traitée comme une maman en Côte d'Ivoire. Depuis que cette histoire avait commencé, nous n'avons pas commencé à attaquer les autorités maliennes, mais bien au contraire. Alors qu'ils étaient en train d'humilier notre président, alors qu'ils étaient en train d'humilier notre père, nous sommes sortis et nous avions dit au peuple malien que nous sommes deux peuples frères, que nous sommes deux pays frères et qu'ils ne peuvent pas se permettre de venir dire que le président de la République de la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali. On leur a fait comprendre. On est d'abord passé par tous les moyens pour les faire comprendre. Ils ont commencé par nous attaquer. Ils ont commencé même par dire que nous, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas ivoiriens. Ils ont commencé par dire que la Côte d'Ivoire appartient à tous. On les a laissés. Ils nous ont dit qu'ils étaient dans une révolution et que plus jamais le Mali allait se soumettre à la Côte d'Ivoire. Et qu'ils sont un pays souverain. Demandez, non maman, épouse Bac, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Et comme aujourd'hui, nous sommes arrivés où nous devons faire les conclusions. Comme aujourd'hui, nous sommes arrivés là où ils doivent venir nous expliquer le début et la fin de cette révolution. Le début et la fin de cette souveraineté. Chers frères militants du RHDP, je vais vous expliquer quelque chose. Les images que vous avez vues là, où vous avez vu les autorités maliennes en Côte d'Ivoire aller voir le président Ouattara, ce n'est pas là-bas que ça a commencé. Il y a déjà quelques semaines en arrière, Myriam Baba, salut à toi. Il y a déjà quelques semaines en arrière, des fonctionnaires de la société qui gère l'électricité au Mali, là, ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour se former. Ils ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour se former. Ça dit que
Les gens doivent comprendre quelque chose. Donc, ça dit que si je comprends bien, cette partie de la jeunesse malienne, ça dit qu'avec tout le mal que vous nous aviez fait, avec tout le mal que vous nous aviez fait, ça dit que pour vous, donc comme c'est fini là, nos soldats vont rentrer en Côte d'Ivoire, ça dit que nous on va faire semblant comme si rien ne s'est passé. Moïse chéri, salut à toi, mon très cher Grando, salut à toi. Sorbo Palem, salut à toi. Donc vous pensez que nous on va venir s'asseoir. Mariam Saganogo, salut à toi, ma très chère soeur Sanogo. J'espère que tu vas bien. Ça dit que vous croyez qu'on va venir s'asseoir comme si rien ne s'est passé. Non, non, non. On ne peut pas venir s'asseoir comme si rien ne s'est passé. Parce que ce qui s'est passé là, pour dire que c'est les autorités maliennes qui sont allées voir le président Ouattara pour demander de l'aide. Même si les Maliens étaient convaincus que des autorités ivoiriennes étaient parties au Mali, qui n'étaient pas allées demander l'aide du Mali. Qui n'étaient pas allées demander l'aide du Mali, allaient juste saluer seulement. Ils allaient transformer ça. Ils allaient donner une autre image à cela. Donc vous vous faites aujourd'hui, et puis vous voulez que nous s'asseyons. Non, 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 on ne va pas s'asseoir. On va vous demander ce que notre président vous a fait. On va vous poser la question parce que vous devez nous répondre. Des drogués sont venus s'asseoir sur les réseaux sociaux. Des gens mal éduqués, des gens qui n'ont reçu aucune éducation de leurs parents sont venus s'asseoir pour insulter notre papa. Il faudrait que vous venez nous expliquer ce qui s'est passé. Il faudrait que vous venez nous expliquer ce qu'on vous a fait de si mal. Wallahi billahi. Le monde, si, ça dit que si on avait fait un an, que les autorités maliennes n'étaient pas retournées aller voir le président Ouattara pour lui demander coup de main, c'est que le monde tourne en envers. Oui, si on avait attendu un an, avant que des autorités maliennes aillent demander pardon au président Ouattara, aux yeux de tout le monde, c'est que le monde tourne en envers. Vous pensez que la vie, là, c'est de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, Kadabayake, parler. Parler. Ce n'est pas ça. Quand tu parles, il faut avoir quelque chose dans ton bagage. J'ai toujours dit ça à mes frères maliens. Regardez aujourd'hui, votre artiste Bikini est venu en Côte d'Ivoire. Pour rentrer seulement dans son concert, on paye 3 000, mais aucun Malien ne peut venir me dire qu'au Mali, là, Bikini peut organiser un concert et puis on va dire 3 000 et puis elle va remplir le stade. Voilà. Touré Kadidiatou, salut à toi depuis ta position. Merci d'avoir nominé cet animal de Cheikh Oumar Keïta. Voilà quelqu'un qui était aux États-Unis, qui a été rapatrié. Quelqu'un qui était aux États-Unis, qui a été rapatrié, quelqu'un qui ne connaissait même pas son pays d'origine, quelqu'un dont son père a volé l'argent du peuple malien pour aller s'asseoir à Niamey en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un dont son père est venu en Côte d'Ivoire après avoir volé l'argent du peuple malien et qui est venu s'asseoir, qui faisait la belle vie à Niamey. Mais Dieu ne dort pas. Mais qui, à la fin de sa vie, quelqu'un qui est rentré comme un millionnaire dans la ville d'Anyama. Mais qui est mort en train de nettoyer les douches publiques à Anyama. Voilà l'histoire de cet homme. C'est lui qui va venir s'asseoir. Il faut venir expliquer au peuple malien, il faut nous expliquer. Toi, Cheikh Oumar Keïta, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui là tu te retrouves au Mali? Tu étais aux États-Unis. Il faut venir nous expliquer. Voilà quelqu'un qui est matin, midi, soir dans les boubous à Bamako aujourd'hui, mais qui était aux États-Unis, qui était devenu un chrétien. Voilà quelqu'un qui a été chassé des États-Unis. Voilà quelqu'un qui a été chassé des États-Unis. Djibouti de Tengrela, salut à toi. Drissa Traoré, salut à toi.
Madi Kabore, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et surtout mettez les cœurs, chers frères, pour protéger le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vous le dis haut et fort. Le Mali, aller et retour. Le Mali a encore 100 ans. Le Mali a encore 100 ans pour avancer sans l'aide de la Côte d'Ivoire. 100 ans. Le Mali aura encore besoin de la Côte d'Ivoire pendant 100 ans avant d'avancer seul. Oui. Le Mali aura encore besoin de la Côte d'Ivoire pendant 100 ans avant d'avancer seul. Je le dis haut et fort. Vous avez traité le président Ouattara de tous les noms ici. Vous l'avez insulté. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Aujourd'hui là, vous êtes en train de payer. Aujourd'hui là, vous êtes en train de payer. Vous vous êtes caché. Vous n'avez pas voulu parler pour l'orgueil, mais vous avez compris. Quand les commerçantes et les commerçants ont commencé à dire que leur nourriture ne peuvent plus être vendue, parce que pendant qu'ils étaient en train de dormir, il y a eu coupure de courant et qu'ils se sont levés, tout ce qu'ils avaient mis dans leur congélateur, dans leur frigo, tout est parti. Pourquoi vous ne venez pas vous asseoir pour nous dire que c'est le moteur russe là qu'on vous a donné là? C'est ça qui est en train de vous créer problème. Jusqu'à il y a d'autres qui sont venus nous dire ici, des Maliens sont venus nous dire que la Côte d'Ivoire donne le courant à 5% du Mali. 5%. Merci à nous. Merci Djigiba Fofana Sekou. Merci à toi. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et surtout partagez. Partagez le direct, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Chaque magas, salut à toi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et surtout partagez. Diaguer de Côte d'Ivoire, salut à toi depuis ta position. Donc, chers frères et sœurs, je vous le dis et je vous le répète. Ce que le peuple malien doit comprendre, et nous, on vous a dit ça depuis dès le départ. Le peuple de Côte d'Ivoire, le président Ouattara n'a rien contre le peuple du Mali. Nous avons un problème avec ceux qui sont en train de vous faire souffrir. Parce que pour nous, ce que vous ne comprenez pas, si le Mali aujourd'hui est en difficulté, les retombées vont tomber sur la Côte d'Ivoire. Alors que nous aujourd'hui, nous pensons à notre développement. Ce que vous devez comprendre, le Mali n'est même pas capable d'organiser des élections. Cheikh Oumar aujourd'hui est en train d'ignorer le problème de l'électricité parce que lui-même, la chambre dans laquelle il est assis en train de faire vidéo, là, il est obligé d'ouvrir toutes les fenêtres. Il est obligé d'ouvrir toutes les fenêtres. Il est obligé d'attendre à un certain moment où il ne fait pas chaud pour pouvoir se mettre en direct parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Il est obligé aujourd'hui de se mettre en boubou sans porter des sous-cours en bas. Il est obligé aujourd'hui de se mettre dans certaines positions où il est obligé d'ouvrir toutes les portes. Et c'est ce qui est une réalité. Et vous voulez faire semblant? Non, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas faire semblant. Parce que la réalité, là, nous, on la connaît. C'est vous qui connaissez l'histoire de tout le monde, mais vous ne connaissez pas votre propre histoire. Voilà Bikini qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se comporter mal avec elle. Et comme Dieu ne dort pas, la personne même aujourd'hui qui est en train de s'occuper de Bikini en Côte d'Ivoire, c'est une personne, qu'on le veuille ou pas, qui est la fille du président Ado, Honorable Mariam Traoré. Si le président Ouattara avait quelque chose contre le peuple malien, ça n'allait pas se passer. Bikini même aujourd'hui, Mariam Ba, elles sont aimées aujourd'hui plus en Côte d'Ivoire que le Mali. Parce que dans la réalité, elles savent en âme et conscience qu'elles sont maliennes. Mais qu'est-ce que le Mali peut leur donner? Même si Bikini fait sortir aujourd'hui un discours, bien Mariam Traoré fait sortir aujourd'hui une chanson.
était dit 20 000 francs. Le premier pays où elle va aller d'abord vendre là, sa première publicité là, c'est Côte d'Ivoire. Elle ne va pas faire ça au Mali. Qui va payer ça au Mali? Il y a des gens, même leur salaire là, c'est 3 000 francs au Mali. Donc, Bigini ne peut pas organiser un concert au Mali, 3 000. Oui. Il y a des gens, leur salaire. Il y a des gens, leur salaire. Ils travaillent du 1er au 31 au Mali, leur salaire c'est 10 000 francs. Bigini ne peut pas organiser un concert au Mali. Regardez bien, regardez aujourd'hui, les artistes congolais, montrez-moi un grand artiste africain qui n'est pas malien, qui va au Mali pour aller faire concert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu t'en vas faire concert au Mali, tu es obligé de faire gratuit. Qui va payer? Il ne faut pas payer billet de 10 000 francs. Eux-mêmes, ils le savent. Il ne faut pas, on va se mentir. Mais aujourd'hui, là, tous ceux-là sont en train de faire semblant aujourd'hui de ne pas s'attaquer. Ils ignorent aujourd'hui. Ils font semblant de mettre un problème d'électricité là à côté. Alors que tout le monde sait aujourd'hui que la majorité des Maliens, les 90%, les 99,99% des Maliens savent qu'il y a d'abord un problème d'électricité. Au-delà même du fait d'abord qu'il y a plein de villes, de villages qui ne sont pas électrifiés au Mali. La petite partie du Mali qui est électrifiée là, il n'y a pas suffisamment de courant là-bas. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Aujourd'hui là, votre ministre de la Défense ou bien quoi, éco-colonel Maïga ou bien Aboulaye Maïga qui est parti et comment on appelle, à l'ONU pour aller s'attaquer au président Ouattara là, il n'a qu'à parler aujourd'hui. Il n'a qu'à parler aujourd'hui. C'est lui qui s'est parlé de troisième mandat des gens. Il faut laisser faire le troisième mandat du président Ouattara là. Il faut venir nous dire que ton peuple aujourd'hui a besoin d'électricité. Il faut venir régler leurs problèmes. Ton peuple meurt de faim aujourd'hui. Il faut venir nous expliquer. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez pas encore pu combattre les djihadistes qui sont vos propres frères maliens. Qui sont vos propres frères maliens. Vous n'avez pas encore fini de régler ça. Alain Traoré, salut à toi depuis ta position. Vous n'avez pas encore fini de régler ça. Je dis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que vous ne comprenez pas, en 2025, moi j'ai déjà dit ça ici. Y a Tunis Kofi aujourd'hui qui est sorti, qui a parlé, qui a dit, on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au RHDP, est-ce qu'il y a une alternative au président Ouattara pour 2025? Tunis Kofi dit, il ne parle pas du RHDP. Il dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une alternative au président Ouattara. Il dit aujourd'hui, quand il regarde tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, il dit qu'il ne voit pas quelqu'un qui, en 2025, peut prendre la place du président Ouattara pour continuer le travail. J'ai une soeur qui a fait une vidéo qui a dit, les Maliens, moi aujourd'hui, je m'assois et puis... Quand je recule quelques mois en arrière, je voyais des Maliens venir s'asseoir et insulter le président Ouattara et puis dire que Gbagbo est mieux. Mais, chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas vous pardonner ça. Dieu ne peut pas vous pardonner ça. Parce que même Dieu sait ce que Gbagbo vous a montré quand il était au pouvoir. Dieu ne peut pas vous pardonner ça. Dieu ne peut pas vous pardonner parce que Dieu même sait ce que Bédier vous a montré quand il était au pouvoir. Vous allez venir vous asseoir pour insulter le président Ouattara. Et puis dit non, Gbagbo est mieux. Jusqu'à même, vous allez organiser manifestation à Bamako pour soutenir Gbagbo. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vous pensez que la vie, là, ça s'arrête à parler. Vous êtes les spécialistes d'Abaya. Ça dit que tu es aux États-Unis, tu es un Américain même. Quand un Malien va parler du Mali devant toi, si tu ne fais pas attention, tu déposes ta nationalité américaine, tu vas vivre au Mali. Oui. Si tu ne fais pas attention, tu déposes ta nationalité américaine et puis tu t'en vas vivre au Mali.
C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui vous fait mal, mais ça ne doit pas vous faire mal parce que c'est une réalité. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous pousser à soulever les manches de vos chemises et puis travailler, comme les Ivoiriens l'ont fait. Vous allez venir vous asseoir, que vous avez participé au développement. On n'est pas allé vous chercher au Mali pour venir nous aider à développer notre pays. Oui, et puis quand vous êtes venu participer au développement, là, vous étiez là, vous avez travaillé, on vous a payé. Donc vous n'êtes pas venu nous aider, on vous a payé. Vous étiez là, vous avez travaillé, et puis on vous a payé. Oui. Nous, on est né encore. Moi, je suis né dans la main de mon papa. J'ai grandi en voyant des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens en train de faire le tour du magasin de mon papa comme gardien. Il y a d'autres qui étaient là matin. C'est eux qui partaient ouvrir le magasin de mon papa. Moi, j'ai grandi dans ça. Donc, toi, tu ne peux pas venir me dire le contraire. Nous, on est nés, grandis, et puis on a vu les gens qui poussaient autant en Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas les Bété, ce n'étaient pas Koyara, ce n'étaient pas Senoufo, ce n'étaient pas les Mauka, ce n'étaient pas les Dida, ce n'étaient pas les Bété, ce n'étaient pas les Guéré. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Voilà. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire parce que c'est ça qui est la vérité. Et ça, là, ça ne doit pas vous faire mal. Parce que ça vous a permis, étant à des kilomètres et kilomètres de vos familles biologiques, de les nourrir. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Donc, Dieu même ne peut pas accepter l'ingratitude d'une partie du peuple malien envers la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas pardonner ça. Dieu ne peut pas pardonner ces ignorants, ces inconscients, avec à leur tête les gens comme les Franklin Yamsi, les gens comme les Nathalie Yam, surtout encore cet idiot qui est né à Niamey, grandi à Niamey, qui a vu son père à Niamey, ses soeurs grandir à Niamey, quelqu'un qui se promène avec un document et qui a le courage d'aller s'asseoir pour dire que je suis né à Niamey, qui aujourd'hui est assis au Mali, rapatrié des États-Unis. Parce qu'un vaurien, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Et qui est assis aujourd'hui au Mali. Quelqu'un d'autre, son père, est à la base de l'échec de Modibo Keïta, en premier président du Mali. Chakouma Keïta. Vous faites aujourd'hui semblant, vous passez à côté, vous venez raconter d'autres choses. Mais le citoyen lambda sait, en âme et conscience, les vrais problèmes. Même dans les quartiers luxe de Bamako, il n'y a pas courant. Vous n'allez pas venir nous dire le contraire. Aujourd'hui, matin, midi et soir, on est en train de voir sur les réseaux sociaux le peuple malien qui pleure parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous n'allez pas venir nous dire le contraire. C'est une réalité. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas là-bas. C'est vous-même qui venez sur les réseaux sociaux pour venir dire qu'il n'y a pas de courant. Vous avez dit au peuple malien hier que Poutine vous a donné des moteurs. Où sont les moteurs? Où sont les moteurs? Venez nous expliquer. Partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Lassine Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et surtout, faites assez de partage. Voilà. Faites assez de partage. Mettez les cœurs. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous, les Maliens qui avez soutenu Laurent Gbagbo, je vous dis une chose. Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 20 ans. Tellement c'est un roublard. C'est aujourd'hui là, où son fils, ça dit qu'aujourd'hui, ton papa a dirigé la Côte d'Ivoire. Toi, Michel Gbagbo, ton papa a dirigé la Côte d'Ivoire. Depuis 3 ans, tu es député de Yopougon. Tu n'es jamais allé nettoyer Caniveau. Quand les Ivoiriens te regardent, en train d'aller nettoyer des Caniveaux,
à Yopougon, le vrai Ivoirien, celui qui connaît l'histoire de ton papa, se rend compte effectivement que même s'il avait des doutes, il comprend que Michel Gbagbo est le vrai fils de Laurent Gbagbo. Quand on regarde Michel Gbagbo aller nettoyer aujourd'hui des caniveaux à Yopougon, tous ceux qui avaient le doute de dire est-ce que Michel Gbagbo est le fils de Laurent Gbagbo parce que lui il est blanc, son papa est noir, comprennent automatiquement que oui, c'est son fils. Parce que Roublard, comme son père, aujourd'hui nettoie, comme son père à l'opposition nous a menti, quand je vais devenir président de la République, je vais augmenter tous les salaires. Quand je vais devenir président de la République, c'est les planteurs qui vont fixer le prix du café et cacao. On connaît la suite. Quand je vais devenir président de la République, je n'aurai pas besoin de 40 voitures pour accompagner mon cortège. Nous connaissons la suite. Quand je vais devenir président de la République, je vais vivre comme un citoyen lambda. On connaît la suite. Quand je vais devenir président de la République, je vais développer le pays. On connaît la suite. Quand je vais devenir président de la République, mes enfants, ma famille ne feront pas la politique. On connaît la suite. Parce que l'histoire retiendra que de tous les présidents ivoiriens que nous avons connus jusqu'à ce jour, le seul dont toute sa famille, voilà, le seul dont toute sa famille est en politique, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Guy Robert qui était en politique. Paix à son âme, le président Félix Houphouët Boigny, aucun enfant du président Félix Houphouët Boigny était en politique. Il n'y a pas un enfant de Bédier qui est en politique. Montrez-moi un enfant du président Ouattara qui est en politique. Il n'y en a pas. Mais Laurent Gbagbo, sa famille, à partir du moment où ton beau-frère est dans la politique, ça veut dire que ta fille est dans la politique. Ton enfant est dans la politique, sa femme est dans la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Le fils du président Ouattara, tu ne le vois jamais dans les trucs ou bien genre, il y a chaud de ça là ici, il y a chaud de ça là. Non. Il mène sa vie à part. Voilà. Mamadou Maïga, merci beaucoup à toi, mon très cher frère. Que Dieu veille sur le peuple du Mali. Parce que c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, même les Maliens qui hier étaient en train de nous dire « Non, Zoulou, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. » Ils ont compris aujourd'hui que ceux qui aiment vraiment le Mali, là, c'est les Zoulous de Bogota. Ceux qui aiment le Mali, c'est vraiment les Zoulous de Bogota. Ceux qui aiment vraiment le peuple malien, c'est les Ivoiriens. Ceux qui ne veulent pas voir le peuple malien dans la souffrance, dans la bêtise, c'est vraiment les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, la réalité est là aujourd'hui. On a vu hier des imams qui se sont dit « Oui, banane va pourrir dans leurs mains. »« Ayato, ya namasabe toro broye. »« Ayato, ya nime toro broye. » Est-ce que nous, on vous a dit que banane qui est chez nous, là, ça nous suffit? Demandez même à vos frères qui sont en Europe ici, banane de Côte d'Ivoire, on voit ça dans les supermarchés Carrefour, Auchan, en France. On voit ça aussi en Italie. On voit ça en Allemagne. Café de Côte d'Ivoire, on vend ça dans les supermarchés en Europe ici. Mon frère malien, viens me dire, c'est quelle nourriture? Quelle nourriture on fait au Mali là-bas que toi, tu es capable de trouver ça dans un centre commercial comme Carrefour? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous vous levez, vous venez vous asseoir pour dire que nous sommes vos ennemis. C'est nous, on veut détruire le Mali. Attends, on va détruire quoi? Qu'est-ce que vous avez construit et puis on va détruire?
Non, entre nous, entre vous et nous, là, vous avez construit quoi? Comment on appelle Assimi Goïta. Donc, vous pensez que nous, on va détruire quelque chose là. On détruit quelque chose qu'on a construit, mais vous n'avez rien construit. On détruit quelque chose. On a construit, donc on peut détruire. Mais tu n'as pas construit. On va détruire quoi? Tu n'as même pas les moyens financiers pour les construire. On va détruire comment? Tu n'as pas les personnes préparées. Mais attends, le peuple malien même doit se poser la question de savoir ce qui est en train de se passer là depuis 2 mois déjà, c'était déjà tracé. Ça dit quoi? Les autorités maliennes ont traité d'abord en bas. La première manière d'abord de traiter, c'est de chercher à savoir comment vous faites et puis votre système d'électricité là, ça fonctionne. Donc déjà, les gens qui travaillent dans la société de sécurité au Mali, d'électricité au Mali, là d'abord, là. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils les ont formés d'abord. On les a formés. On les a préparés. On les a dit que quand vous parlez aux clients, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Quand il y a un problème, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est quand ils sont quittés dans ça, là. On n'est pas. Ils sont repartis maintenant. Et puis maintenant, les autorités maliennes même sont venues maintenant pour venir parler. Chogel Maïga, tu mets cache-nez. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus Covid. Il faut enlever cache-nez, là. Il faut enlever cache-nez, là. Faut enlever cache-nez. Vous allez venir parler de problème de troisième mandat. Le peuple malien même doit prier Dieu pour que le président Ouattara fasse 30 ans au pouvoir. Pour que le président Ouattara fasse 30 ans au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a dit au peuple malien, ce que vos autorités là sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils sont en train de vous faire croire que la France est votre ennemi. Ils sont en train de vous faire croire que la Côte d'Ivoire est votre ennemi. Pendant ce temps, la réalité. Aujourd'hui, vous vous cachez pour aller demander au président Ouattara de voir le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la CEDEAO, pour vous donner crédit encore. On ne peut pas vous donner crédit. On ne peut pas vous donner crédit. Vous devez dire aux gens aujourd'hui, là, crédit que vous demandez, là, vous allez rembourser ça comment? Vous avez quoi? Et puis, vous allez rembourser. Sur quoi vous comptez pour dire que vous allez rembourser le crédit qu'on va vous donner? Il y a, je crois, avant-hier ou bien hier, il y a le ministre du budget et du portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire qui était une télévision. C'est très simple. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on a le café, on a le cacao, on a l'ananas, on a la banane, on a le manioc, et on a, je ne sais pas, mais on a tellement de ressources. Ça veut dire que quand on va prendre crédit au Fonds monétaire international, ça dit que toi-même, tu dois t'asseoir, mon frère, toi, tu es en Europe ici. Toi, tu travailles dans une société. Ton salaire là, c'est 2000 euros. Maintenant, tu as ton voisin à côté. Son salaire là, c'est 3000 euros. Si toi, tu allais prendre un crédit que tu dois rembourser 500 euros par mois, lui, il allait prendre un crédit pour rembourser 500 euros par mois. Si toi, tu dis que tu vas payer ton crédit en 3 ans, lui, s'il prend 3000, lui, il peut dire que lui va payer en 1 an et demi. C'est tout à fait normal. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu vas payer en 1 an et demi. Et puis quand vous avez fini de prendre ce crédit, lui, il peut aller encore dans un autre coin pour aller prendre crédit. On va lui donner, parce qu'on sait qu'il prend 3 000 euros. Mais quoi, on ne peut pas te donner. Donc ça veut dire quoi? Ce que le peuple malien doit comprendre. Vous êtes là matin, midi et soir, la Côte d'Ivoire est endettée. La Côte d'Ivoire est endettée. Le ministre du budget et du portefeuille de l'État a expliqué. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Même si la Côte d'Ivoire est endettée, quand on regarde par rapport à d'autres pays dans le monde entier, la Côte d'Ivoire soutient cette dette-là. Mais je vous pose une question aujourd'hui.
demander à l'État malien et puis à l'État de Côte d'Ivoire. Les deux n'ont qu'à aller au Fonds monétaire international. Chacun n'a qu'à aller demander 100 millions, 100 milliards de crédits. 100 milliards, 100 milliards. On verra bel et bien à qui ils vont donner les 100 milliards, à qui on ne va pas donner. On ne donne pas parce que Ouattara, c'est un sorcier. On donne à Ouattara parce qu'on sait qu'il travaille. Mais on ne peut pas donner 100 milliards de crédits à des pushistes. On ne peut pas donner 100 milliards de crédits à des personnes qui dirigent un État et qui refusent d'organiser les élections. Des crédits à des personnes, qui, dans la réalité, refusent d'organiser des élections. On ne peut pas donner 100 milliards à des personnes qui, dans la réalité, ne sont pas capables de nous démontrer, de nous donner des solutions, de nous donner des documents qui attestent que vraiment ils ont la possibilité de payer. Quand tu vas prendre crédit, il faut payer. Mais vous, vous allez prendre crédit. Quand vous finissez de prendre crédit, deux mois après, vos autorités rentrent derrière vous et puis vous disent « chassez les Français ». Et puis vous avez le courage de vous arrêter dans les rues de Paris. On ne paye pas crédit là. On ne paye pas le crédit. On ne paye pas le crédit. En tassara. Nous, on est dans Mike, Oyoke, Oyoboya Jamalana. Vous avez chassé les Français. Venez nous dire, après la révolution contre la France, là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Venez nous dire. Vous avez fait une révolution contre la Côte d'Ivoire. Nous, on est resté chez nous. Vous êtes resté chez vous. Nous, on n'a pas fait de révolution contre vous. Hein. Donc, c'est tout à fait normal. Nous, on peut se lever pour aller vers vous. Parce que nous, on n'a pas fait de révolution. Nous, on ne vous a pas dit rentrez chez vous. Nous, on ne vous a pas dit ça. C'est vous qui avez dit que vous n'avez pas besoin de nous. C'est vous qui avez dit que nous sommes un petit pays. C'est vous qui avez dit que vous avez une armée. Armée, même ce que Poutine vous a donné, vous ne pouvez pas utiliser parce que vous n'avez pas des personnes qui sont formées. Salam alaikum à toi, mon jeune frère Abbas Igiré, depuis ta position. Merci encore pour le combat que tu fais. Merci beaucoup. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct. Corolla Kosso, salut à toi, mon très cher frère. Donc, voilà pourquoi je l'ai dit depuis dès le départ. J'ai dit, nous, notre problème, on n'a pas affaire à tous les Maliens. Parce que je le dis, les Maliens sont nos frères et sœurs. Mais les Maliens à qui nous avons affaire, c'est les gens comme le Cheikh Oumar Keïta. Des gens qui ne connaissent pas leur propre histoire. Toi, ton papa travaillait avec Modibo Keïta. Modibo Keïta, vous avez détourné, ton papa a détourné l'argent du peuple malien d'alors. Il est allé s'asseoir à Niamey avec les millions de Français CFA maliens. Il allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà pourquoi toi, Cheikh Oumar Keïta, tu es né en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut venir expliquer aux gens, Cheikh Oumar Keïta, tu es né en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne prends pas ton temps un jour de venir expliquer aux Ivoiriens, aux Maliens, pourquoi toi tu es né en Côte d'Ivoire? Il faut nous expliquer. Parce qu'il y a des Maliens qui peuvent venir nous expliquer. Il y a des Maliens qui peuvent dire, je suis né en Côte d'Ivoire parce que mon papa a été affecté par l'État malien comme ambassadeur en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis né là-bas. Il y a des Maliens qui peuvent dire, mon père allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis né là-bas. Mais toi, il faut venir nous expliquer. Si tu viens nous dire que tu es né en Côte d'Ivoire parce que ton papa allait s'asseoir là-bas, il faudrait que tu nous expliques pourquoi ton papa allait s'asseoir là-bas. Parce que ton papa allait s'asseoir en Côte d'Ivoire, il n'était pas commerçant. Il était assis à Niamey là, il n'était pas commerçant. Il faut venir nous expliquer. Les gens comme les drogués, Kodjo Bala, ça dit que tu regardes le visage de l'homme et puis tu te poses la question de savoir. Tu regardes le visage d'un être humain comme Joe Bala. Et puis, la chose qui te vient dans ta tête, c'est de te poser la question, mais un être humain peut être comme ça? Tu n'as pas besoin de voir l'homme vis-à-vis, mais même en le regardant dans la caméra, tu te rends compte que lui-là, il est allergique à l'eau. Il est allergique à l'eau. Tu n'as pas besoin de le voir vis-à-vis. Même en le voyant dans ses directs,
tu sens automatiquement que ses dents sont allergiques aux brosses à dents et aux pâtes dentifrices. Et des gens comme ça ont eu le courage de s'asseoir et d'insulter notre président. Tu vois les gens Kosse Kutunkara. Urgent, 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 urgent. Mais ton urgence là qui t'est où aujourd'hui, pourquoi tu ne parles pas? Ton urgence là, pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Il faut parler. Ton urgence là, pourquoi tu ne parles pas? C'est toi qui avais toujours les informations urgentes. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne donnes plus d'informations urgentes? Pourquoi aujourd'hui tu es rentré dans ta coquille? Pourquoi aujourd'hui ce silence? Pourquoi aujourd'hui ce silence? Donc, ce que les gens doivent comprendre, ce que les Maliens et Ivoiriens doivent comprendre, nous n'avons jamais déclaré une guerre au Mali. Aujourd'hui, les Maliens m'ont compris aujourd'hui que s'il y a un être humain sur la terre qui veut le mal, s'il y a les habitants d'un pays qui veulent le mal du Mali, là, peut-être que ça existe, mais ce n'est pas les Ivoiriens. S'il y a peut-être un être humain qui veut déstabiliser le Mali, qui est contre l'avancée du Mali, peut-être qu'il existe, mais les Maliens sont convaincus aujourd'hui dans leur réalité. Les Maliens sont convaincus aujourd'hui dans leur réalité que ce n'est pas le président Ouattara. Sékou Toungara, le manipulateur aujourd'hui, Cheikh Oumar Keïta, l'homme qui a été rapatrié depuis les États-Unis, il faut venir nous expliquer. Le peuple malien aujourd'hui se plaint qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut faire direct, il faut sortir de ton bunker et puis venir démontrer le contraire devant les gens. Djibouati de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Quand on se réclame un pays souverain et qu'on décide de chasser tout le monde, on ne retourne pas vers les personnes qu'on a chassées pour aller leur demander crédit. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Quand on se réclame un pays souverain, et qu'on a chassé des gens pour dire allez chez vous, on ne veut pas vous voir. Le Mali, ce n'est pas chez vous. Nous sommes un État souverain. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France. Je le dis haut et fort. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France. Mais les Maliens aujourd'hui doivent reconnaître que le Mali est un campement de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un campement de la Côte d'Ivoire. Ça dit que le Mali aujourd'hui, les Maliens, certains Maliens aujourd'hui qui nous ont insultés doivent comprendre aujourd'hui que pour nous, là, pour nous, je ne parle pas de cette bonne partie du Mali là, hein, mais la mauvaise partie là. Ça dit que pour nous là, vous êtes la farine. On vous met dans l'eau, on vous laisse gonfler, on prépare notre bœuf loto, on s'assoit, on mange quand on veut. On fait ce qu'on veut. Au moment où on veut. C'est nous qui décidons. Voilà. Le Mali est un campement de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France. Nous, on est d'accord. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Il s'est fait un peu tard. On va vous laisser. Parce que, voilà, il est déjà 21h. Voilà, donc je vous remercie, bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Voilà, merci, 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 et surtout bon début de semaine à vous, que Dieu veille sur vous. Merci, 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 merci. Je vous donne encore rendez-vous pour la prochaine fois. Ce qui est sûr, restez connectés. Demain, je vais venir faire un direct parce que depuis ce matin, je vois des posts sur les réseaux sociaux où il y a eu des nominations au GPS. Et
Je vois certains militants du RHDP en train de faire des posts pour dire que les activistes, les cyberactivistes de Soro Diom n'ont pas été nommés tant, tant, tant. Demain, je vais venir vous expliquer, chers frères et sœurs. Demain, on va venir parler de ça. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Demain, on est ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.